Continents intérieurs, aujourd'hui, réflexion autour de l'amour avec Michel Cazenave, troisième partie. Vous avez déjà un petit peu évoqué les conceptions de Freud, de Jung et de Lacan concernant l'amour. Est-ce que vous pourriez nous les décrire un peu plus précisément en insistant surtout sur les différences? La première chose qui me revient en tête, c'est quand même qu'en gros, aux environs de la quarantaine, Freud écrit à sa femme « À partir de maintenant, nous ne ferons plus l'amour. Nous ne ferons plus l'amour parce que je vais y perdre mon énergie. » Bon, ça on voit très bien comme c'est un topos rebattu de nos cultures. Autrement dit, l'énergie que j'ai, si je veux écrire des livres, si je veux réfléchir, il faut que je la garde, il faut surtout que je ne la perde pas. Alors que moi, je pense qu'au contraire, que plus on fera l'amour à la femme qu'on aime, et plus au contraire, on aura éventuellement d'énergie sur le reste. C'est là où je me pose la question de me dire, est-ce que Freud, quand même, vis-à-vis de l'amour, n'a pas la même position qu'il a vis-à-vis du féminin? C'est-à-dire qu'il subodore bien, je dirais, qu'il y a du féminin dans l'amour. Et d'ailleurs, lorsque je lis un certain nombre de psychanalystes d'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils sont très lacaniens, mais qui se réclament de Freud, je pense à Roland Gori, je pense à Paul-Laurent Assoun, etc., dans lesquels ils insistent bien sur quoi, dans l'amour, il y a un processus de féminisation. De féminisation, à nouveau, alors c'est toujours un peu ambigu chez eux. Moi, j'ai toujours envie de dire de féminisation psychique, pas du tout de féminisation passer à l'acte, etc. C'est pas du tout la même chose. Bon, et je pense que Lacan, là-dessus, il est assez proche de Freud, mais ce que je suspecte, là je parle en nom strictement personnel, c'est que Lacan, d'une certaine manière, vous savez, la fameuse phrase du président Chabert, dans les mémoires d'un névropathe, qu'il doit être bon de jouir comme une femme. Et je pense que Lacan a été travaillé toute sa vie par ça. Et que s'il avait pu être une femme, s'il avait pu savoir ce que c'était que la jouissance, autrement dit, s'il avait pu être comme Tirésias, avoir été un moment un homme, un moment femme, c'est effectivement ça qu'il cherchait. Et je pense que s'il a tellement travaillé sur ce qu'il appelle la jouissance autre, sur la jouissance supplémentaire, en la différenciant bien de la jouissance masculine, c'était bien parce qu'il était mu par ce désir, et par ce désir extrêmement profond. Et en même temps, on voit très bien comment, qu'à un cas, comment est-ce que ça peut aller avec une position freudienne. Et je sais très bien que mes amis freudiens, généralement, le 20e séminaire, justement, sur cette fameuse jouissance, sur encore, ils n'aiment pas beaucoup ça. Parce que c'est le moment où l'accord, je dirais, sort un petit peu trop de l'épure. Et pour Jung, là, je pense que la rupture avec Freud, elle jouait, même si ce n'était pas clairement dit, elle jouait sur quelque chose comme ça. Elle jouait sur quelque chose comme ça, parce que je pense que chez Jung, il y a une appréhension du féminin qui n'est pas du tout la même que celle de Freud. C'est-à-dire qu'il y a chez Jung, précisément, une ouverture aux femmes en tant que telles et une ouverture au féminin de l'homme. Bon, tout ça passant, me semble-t-il, dans l'élaboration, précisément par la figure de Sabine Aspirail. Je le répète à nouveau, la seule femme dont je crois fermement, la seule femme dont il a été réellement amoureux. Bon, ce qui n'empêchait pas Jung, par ailleurs, d'être un mec, si on peut dire, et un mec, ben, il vivait dans les années 1900. Autrement dit, il était chef de meute, il était un homme au sens tout à fait traditionnel de l'époque. Et je pense que, honnêtement, la manière dont il était un homme, moi, je ne pourrais plus l'accepter aujourd'hui. Mais en le remettant
à son époque, je comprends un peu. Non, mais de la même manière que je comprends Freud. Tout en me disant, éventuellement, on peut remettre des choses en question. Et c'est là où, me semble-t-il, que à la fois Lacan et Jung sont sensibles à quelque chose. Parce que, présentement, à la différence de Freud, ils sont psychiatres. Parce que Freud, je dirais que ce qui est de l'ordre de la psychiatrie, ils ne connaissaient pas très bien. C'est loin qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'ils étaient affrontés, je dirais, comment dire, à l'essence de l'humain, dans sa nudité, de la manière. Et que donc, ils étaient obligés de tenir compte de choses que Freud, éventuellement, ne connaissait pas, enfin, ou ne pouvait pas connaître. Bon, alors, chacun le dit à sa manière, chacun le dit dans le chemin qui est le sien, bien évidemment. Mais en même temps, je me dis, la rupture avec Freud, elle se joue quand même sur, d'une part, le rapport à la psychose, d'une part, effectivement, à laquelle Freud ne connaît rien. Et lorsque Freud fait le commentaire du président Schreber, on sait très bien que les mémoires d'un névropathe, c'est Jung qui les lui a fait connaître. Effectivement, Jung en tant que psychiatre, vraiment, et ça se joue en second lieu sur le religieux. Sur le religieux, et je pense que le psychotique et le religieux, ça a profondément à voir avec le féminin. Vous savez, la fameuse phrase de Lacan, qu'on lui reproche tout le temps, « Toutes les femmes sont folles ». On se rend pas, on prend toujours ça pour une misogynie profonde. On ne se rend pas compte, c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent leur adresser. Parce qu'elles sont folles, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans le discours borné, elles ne sont pas dans l'énonciation telle que nous y sommes habitués. Précisément, elles sont dans l'ordre de l'infini. Précisément. Et c'est pour ça qu'elles sont folles. Et où la folie est dans l'ordre de l'infini. Mais simplement, est-ce que, je le répète à nouveau, est-ce que c'est de l'infini de la régression, ou est-ce que c'est de l'infini du dépassement? Et je pense que pour Jung, ce qu'il voit, c'est l'infini du dépassement. Précisément. Et que de ce point de vue-là, c'est, je me rappelle un certain nombre de lettres qu'il écrit à Sabine Spielrein en 1908-1909, dans laquelle, précisément, il est appelé par quelque chose qui est bien au-delà de lui-même. Et je pense que si il va voir les visions de Salomé qu'il va voir dans un épisode psychopathologique à la suite de la rupture avec Freud, et c'est un passage dans ma vie, dans lequel, justement, quand il parle de ces années-là, qui est absolument incroyable, dans lequel il rappelle qu'ayant découvert cette dimension féminine intérieure, je le répète, je pense à la suite de l'influence de Sabine Spielrein, dans laquelle il dit, mais parfois, lorsque, avec un patient, je sentais que ça n'avançait pas, je me retournais vers mon anima, autrement dit, se retournait vers sa dimension féminine, et je lui demandais que faut-il faire. Et là-dessus, l'anima lui disait ce qu'il fallait faire. Et il le faisait, en plus. Bon, je pense que n'importe quel psychiatre normal dirait, non, mais il est complètement dingue. Effectivement. Mais en même temps, ça marchait, de sa manière. C'est-à-dire qu'effectivement, il faisait confiance à l'empathie, je dirais, de sa dimension féminine et à la manière dont la dimension féminine pouvait être au courant de secrets dont lui, avec sa raison masculine, avec son logos, d'une certaine manière, à laquelle il n'avait pas accès. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même une rupture très très franche entre Jung et Freud, et où à la limite c'était irréconciliable entre eux. Mais en même temps, je dirais que lorsque Lacan souvent fait semblant de mépriser Jung, moi, ça me fait rire, parce qu'on voit très bien un congrès des études carmélitaines dans lequel il y avait Berceliade, dans lequel Lacan s'appuie beaucoup là-dessus ensuite pour critiquer Jung. Mais sauf que c'est Berceliade qu'il critique, ce n'est pas Jung. Et Berceliade et Jung, parfois, il y a quand même des petites différences. Et lorsque je prends dans les écrits, je me dis, parfois, Lacan est d'une intelligence vraiment extraordinaire. Lorsqu'il montre, à un moment, que ce que Jung appelle l'inconscient collectif, c'est le nom moderne de l'âme du monde. C'est exactement ce qu'écrit Jung à la fin de sa vie, effectivement. Et ça, je pense que Lacan a été un des seuls à s'en rendre compte. Et en même temps, dans un autre papier dans lequel il écrit que Jung croit que le moi existe. Alors que Jung, enfin, on connaît les tests d'association, etc., il a toujours considéré que le moi n'était que de l'ordre du complexe. Autrement dit, qu'il serait plus ou moins de l'ordre de ce que Lacan probablement appelle de l'imaginaire. Donc Jung sait très bien que le moi n'existe pas en tant que tel. Alors, il s'agit de le faire advenir. Et il s'agit de le faire advenir afin de pouvoir d'autant mieux le dépasser. Précisément. Donc, mais c'est comme toujours avec Lacan, je veux dire, il affirme des choses, ou il feint d'affirmer des choses en sachant très bien qu'elles sont fausses, mais aucune importance. Durant que ça l'arrange, très bien. Mais en même temps, je m'incline.
C'est le côté joueur, trickster, je dirais, de Lacan. Bon, ben voilà. Vous avez dit tout à l'heure que Jung, lorsqu'il était dans une impasse avec un patient, demandait conseil à son anima. Et en même temps, si je me souviens bien, tout en affirmant que l'anima est un guide et une source intarissable de créativité, il met aussi régulièrement garde dans ses ouvrages contre l'aspect sombre de cet archétype, c'est-à-dire la façon dont il peut prendre possession de la conscience, contraignant le sujet à des actions qu'il risque fort de regretter par la suite, voire même qui le conduisent à la mort, dans les cas les plus extrêmes. Et donc je me dis que, pour prendre conseil auprès de son anima, comme le faisait Jung, il faut très certainement avoir déjà une connaissance assez fine, je dirais, des pièges éventuels dans lesquels on pourrait tomber. Pour dire la vérité, j'ai toujours tendance, spontanément, à me méfier de la méfiance vis-à-vis de l'anima. Je vais dire pourquoi. Et chez Jung, c'est quand même très clair. On voit que souvent, l'anima est d'abord, pour lui, l'anima négative. Et c'est toujours la question que je me pose. Et de la manière dont il le dit, je crois malheureusement avoir la réponse. C'est que c'est l'anima négative, parce qu'il y a aussi toute une vision séculaire dans laquelle tout ce qui est de l'ordre du féminin, c'est quand même plus ou moins en dessous. Ce n'est pas noble, de cette manière. Vous savez, ça me fait penser à la fameuse déclaration de la marquise du Chastelet dans l'introduction qu'elle écrit, dans la préface qu'elle écrit à sa traduction des ordres de Newton. On pourra se demander pourquoi moi, une femme, je me suis livré à tel travail, moi qui en tant que femme ai la fibre du cerveau un peu molle. Non mais on voit très bien, et ça s'appuie sur des siècles et des siècles de manières de considérer le féminin. Effectivement. Bon, qui plonge ses racines jusque dans l'Antiquité grecque. On voit très bien. Et je me demande dans quelle mesure Jung ne voit pas tout le temps dans le féminin, au départ, spontanément, quelque chose de l'ordre du tentateur, quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Alors là, je me dis, il est fils de pasteur, c'est quand même pas pour rien. Et ça se sent bien. De la même manière que dès qu'il n'y a pas les quatre types d'anima, c'est comme par hasard, c'est Ève, Marie, Hélène, évidemment c'est l'Hélène de Simon le Gnostique, Hélène, Sophia. Si c'est pas chrétien quand même, je sais pas ce que c'est. Donc on voit très bien comment c'est là-dedans. Et en même temps, je sais bien qu'il peut y avoir une espèce de fascination par l'anima, c'est-à-dire d'une part où l'homme oublie qu'il est un homme, d'une certaine manière, et où, d'une certaine façon, il y a aussi toute la face d'ombre, de toute image, quelle qu'elle soit, et en plus de toute image archétypique, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a la face lumineuse, pour l'instant je n'ai parlé que de la face lumineuse, mais en même temps la face d'ombre. Et là je pense qu'il faut se tourner vers des gens comme les Indiens. Lorsqu'on voit les temples à Kali, on voit très bien que précisément Kali, c'est aussi celle que l'on voit dans les danses du Kerala, etc. C'est-à-dire celle avec la langue pendante, ce qu'on retrouve dans tout le combat, dans le début du Devim Mahatmya, la célébration de la grande déesse, c'est-à-dire la Kali avec la langue pendante, le sang qui lui dégouline, tous les colliers de crâne sur son bassin. Bien entendu qu'il y a l'aspect de mort,
Mais il n'y a jamais uniquement de la lumière ou uniquement de l'ombre. Je me dis, alors le problème, c'est de savoir comment traverser l'ombre pour déboucher éventuellement sur la lumière. Tout en se disant que même lorsqu'on aura débouché sur la lumière, on ne pourra jamais oublier l'ombre. Parce que précisément, s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Et c'est là où je me dis, avec Jung, il faut toujours faire attention, dans quelle mesure, lorsqu'il parle de l'inconscient collectif, lorsqu'il essaie d'aller, je dirais, à la base même de l'inconscient, à l'inconscient le plus profond, à ce qu'il appelle l'inconscient des structures, de cette manière, parce que je rappelle quand même qu'il définit l'archétype comme une structure vide. Hein, et à la fin de sa carrière, il va bien faire la différence entre les images où l'archétype se montre, et puis l'archétype en tant que lui-même. Tu vois, de ce point de vue-là, il est pas très loin de quelqu'un comme Lévi-Strauss. Mais donc, lorsqu'on a affaire à l'archétype, il faut toujours se dire qu'effectivement, il y a toujours deux faces, d'une certaine manière. Alors qu'effectivement, il y a la face extrêmement constructive et il y a la face totalement destructrice. Simplement, tout dépend comment on le présente. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de discours sur ce genre de choses dans lequel je me dis, oui, mais quand même, nous sommes les héritiers de plus de 2000 ans de culture. Et ça se voit. Et ça s'entend. Donc, quelle méfiance du féminin. Il y a une notion dont on ne peut guère faire l'économie, me semble-t-il, lorsqu'on parle d'amour dans une perspective freudienne, c'est la notion de narcissisme. Alors Freud s'en sert pour décrire les étapes de la constitution psychique, avec un narcissisme primaire, en quelque sorte fusionnel, au cours duquel l'enfant ne se différencierait pas vraiment de son entourage, et un narcissisme secondaire, qui investirait le moi propre au détriment des autres. D'où une entité psychopathologique, appelée névrose narcissique, dans laquelle le sujet est bien incapable d'aimer un autre, puisque toute son attention est dirigée vers lui-même. Dans ce qui est sans doute une tentative désespérée pour s'aimer lui-même. Alors il faudrait sans doute voir ce que le mythe de Narcisse, rapporté entre autres par Ovid dans ses Métamorphoses, peut nous enseigner à ce sujet. C'est-à-dire que c'est tout le problème avec la psychanalyse classique, c'est la manière dont elle en use avec la mythologie. Déjà avec Oedipe, ça avait commencé. Dans lequel on sait très bien que Freud ne connaissait d'Oedipe que la tragédie de Sophocle. Et on voit très bien que Narcisse, il n'en connaît qu'une version, d'une certaine manière. Parce que ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que le dessin de Narcisse avait été tracé par quelqu'un comme Tirésias. C'est-à-dire la chose qui faisait le plus horreur à Freud, quelqu'un qui avait été homme et femme. Bon, et Tirésias, c'est quand même absolument central dans sa vie. Et en même temps, il faut se rappeler quand même que Narcisse, Narcissos en grec, ça renvoie à la racine narcos. Narcos, le narcotique, la narcose, etc. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre du sommeil. C'est-à-dire comment est-ce que Narcisse, en se découvrant lui-même
d'accord, mais bon, là-dessus, on s'appuie sur la métamorphose d'Ovide. La métamorphose d'Ovide, c'est quand même très, très tardif. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, lorsqu'on remonte plus avant, on se rend compte que Narcisse, il va tomber amoureux de lui-même, de cette manière. Oui, mais il va tomber amoureux de lui-même, et en réalité, ça l'introduit dans l'ordre du sommeil. Et en même temps, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quelqu'un comme la jeune déesse Corée, ou la jeune fille, Perséphone, la fille de Déméter, va être enlevée par Hadès alors qu'elle est en train de cueillir des narcisses. Bon, ça, alors là, si on lit Hésiode, c'est parfaitement clair. Autrement dit, comment ? Alors évidemment, c'est l'idée, le sommeil est une espèce d'image de la mort. Bon, ce qu'on trouve dès le début de la théogonie, dans laquelle on voit effectivement que ce sont des frères, tout ça. C'est la même fratrie. Mais on voit quand même que c'est pas exactement la mort, c'est pas la mort réelle, si l'on peut dire. D'autant plus que maintenant, quand on a décrypté le linéaire B, on sait bien que Perséphone était à l'origine une déesse des morts. Et que précisément, lorsque elle se fait enlever par Hadès, je dirais que c'est la manière dont les hommes ont imaginé, évidemment, l'homme, il s'empare de la femme. Évidemment. C'est pas ça du tout que ça a dû raconter au départ. Et en même temps, Narcisse, il faut le mettre en relation avec la nymphe Écho. Cette nymphe dont on sait qu'elle était tellement amoureuse et qui elle-même avait été châtiée par les dieux à la suite pour un certain nombre de choses qui seraient trop longues de rappeler, mais où elle ne pouvait plus dire qu'effectivement, qu'être à l'écho de ce qui avait été dit. Et si je me rappelle bien, c'est un très très beau, alors là, Jean les siècles, c'est un très beau poème de Pierre de Marbeuf, au début du XVIIe, dans lequel effectivement il y avait plein de narcisses, de narcisses, et on voit Narcisse disant quelque chose, et puis Écho qui répète tout le temps la dernière syllabe. Alors tu, tire, etc. Bon, ça sont deux choses. Et c'est là où en même temps, me semble-t-il, que précisément, la psychanalyse, souvent ce que je reproche, elle fait de la réduction. Elle fait de la réduction, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas le déploiement, le total déploiement mythologique. C'est-à-dire qu'elle décide de ne choisir que certains thèmes, ou que certaines aventures à l'intérieur de toute une aventure mythique. Et c'est là où je me dis quand même que la mythologie, elle peut parfois nous gêner, mais il faut la prendre comme elle est. En tout cas, il semble bien que Jung, si je ne me trompe, n'utilise pas vraiment cette notion de narcissisme dans son œuvre. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'il use d'un autre vocabulaire, ou bien parce que ces élaborations l'ont amené à voir les choses différemment? C'est le narcissisme chez Jung. Si on voit ce que Jung appelle sa personnalité numéro 1, autrement dit celui qui est bien établi dans la vie, etc., ça, oui, sans contre-insertion, on s'aperçoit qu'il y aurait, en gros, ce que j'appelle un narcissisme. Le problème de Jung, c'est précisément de savoir comment est-ce qu'on dépasse ça, comment est-ce qu'on va au-delà, et comment, éventuellement, on n'est pas prisonnier uniquement de la causalité psychique, parce que quand on parle de narcissisme, on est en plein dans le règne de la causalité. C'est ce que j'ai vécu dans mes tout premiers mois d'enfance. D'ailleurs, même Freud est obligé de renvoyer plus ou moins à ça, alors qu'on sait très bien que le complexe d'Oedipe, pour lui, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus tard, de sa manière. Et les relations à la mère, si on voit toutes les luttes entre Melanie Klein et Anna Freud qui ne fait que répéter son père de cette manière, on s'aperçoit à quel point c'était pas très très porté à l'époque. Bien, mais on voit très bien comment Jung précisément n'est pas dans l'ordre de je regarde derrière moi, mais beaucoup plus je regarde vers. C'est-à-dire que comment il a dû, je dis, renoncer à sa personnalité numéro 1, ce qu'il appelle le milieu de la vie, comment il a dû renoncer à sa personnalité numéro 1 pour laisser advenir et pour laisser s'épanouir sa personnalité numéro 2. C'est une personnalité numéro 2 dans laquelle, effectivement, le narcissisme est quasiment absent, en tant que tel. Mais, parce que toujours pareil, le narcissisme, c'est de l'ordre de derrière moi. Donc, on est dans l'ordre de la causalité. Mais en même temps, je n'en nie pas du tout l'idée du narcissisme. C'est vraiment de dire, on ne peut pas simplement, uniquement s'arrêter là. Il faut voir à quoi il est appelé de devenir. De cette manière.
Ceci dit, à quoi il a appelé de... qu'est-ce qu'il a appelé à devenir, je n'en sais rien. Je prétends pas avoir la réponse à tout. Je me demande si ce qui sépare Freud et Jung concernant l'amour, ce n'est pas aussi leur façon tout à fait opposée de considérer la régression, puisque d'une certaine façon, le fait de tomber amoureux est une régression. Voilà. C'est-à-dire que c'est là la différence, je me rappelle qu'à l'époque, beaucoup de psys s'étaient moqués de nous, et comme aujourd'hui, ils ont adopté le terme. Je préfère passer sous silence quand on en parle. C'est-à-dire que c'était avec quelqu'un comme Pierre Solier, on avait introduit de dire, à côté de la régression, il y a ce que nous appelions la régrédience. C'est-à-dire comment on revient en arrière pour d'autant plus repartir en avant. Et c'est là où, me semble-t-il, que la régression n'est pas de l'ordre uniquement du pathologique. Que parfois, elle peut donner quand même des armes absolument extraordinaires. Mais c'est l'image moi, qui me vient toujours, c'est celle d'Héraclite. Vous savez, qui dit la conjonction des opposés sont deux forces opposées. Et la comparaison qu'il prend toujours, c'est celle de l'arc. Alors on voit effectivement la tension de la partie haute, de la partie basse de l'arc, qui va permettre de lancer la flèche. Et je dis toujours, oui, mais pour lancer la flèche, pour la lancer devant la flèche, il faut tirer la corde vers l'arrière. Vraiment. Et il me semble que la régrédience, c'est de cet ordre-là, effectivement. Et qu'il y a un usage de la régression qui n'est pas forcément l'usage qu'a la psychanalyse freudienne, mais qui peut être un usage extrêmement positif, extrêmement fécond, effectivement. Ce que je me demande, c'est, en même temps, c'est là où je me dis la manière dont Jung et Freud reçoivent ce qu'écrit quelqu'un comme Sabine Spielrein. Ce que je rappelais, son grand article sur la destruction comme cause du devenir, ça va devenir la pulsion de mort chez Freud. Mais la pulsion de mort chez Freud, on voit très bien que c'est en même temps le Freud très redevable à la lecture qu'il a de Schopenhauer. Autrement dit, la pulsion de mort, on va chercher le vide, le nirvana, il reprend le mot, et c'est le nirvana compris par Schopenhauer qui n'a rien à voir avec le nirvana des bouddhistes, ou le nirvana des premières grandes Upanishads. Et c'est là où je pense que quand même que Sabine Spielrein avait raison et que Jung a eu raison d'écouter, fût-ce inconsciemment, Sabine Spielrein, c'est-à-dire que la pulsion de mort, c'est une destruction, mais c'est une destruction de là où nous en sommes arrivés afin de pouvoir aller plus loin, éventuellement. Et qu'éventuellement, il y a quand même une fonction de cette pulsion. Est-ce que la pulsion, c'est vraiment uniquement la recherche du nirvana, enfin du néant en tant que tel? Enfin, je répondais oui, à condition de dire que le néant, comme dit le pseudonyme, c'est le néant suressentiel. Autrement dit, c'est le néant de mon discours, c'est le néant de mes images. C'est non pas le néant en soi, parce qu'honnêtement, le néant en soi, je ne sais pas ce que c'est.
Il y a peut-être bien aussi quelque chose de l'ordre de cette régrédience dans ce que Lacan appelait la jouissance autre. Non, mais on s'aperçoit que dans la jouissance, il y a quand même quelque chose dont les hommes ont toujours été jaloux chez les femmes, de dire dans la jouissance, on sent bien qu'elle touche à des choses qui nous sont interdites. Mais notre jouissance est une jouissance effectivement bornée. C'est une jouissance finie, de cette manière. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un homme, après la jouissance, il devient impuissant. Et il entre en berne. Il entre en berne et ça... Combien de fois j'ai entendu les fantasmagories des discussions d'hommes entre eux sur la jouissance multiple des femmes, éventuellement. Bon, toutes les femmes n'en bénéficient pas, c'est moins qu'on puisse dire. Mais on voit très bien qu'il y avait une espèce d'envie de dire « Oui, mais pourquoi elles ont accès à ça ?» C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'ordre de la répétition, éventuellement, idéalement, je dirais, sans fin. Et la question que je me pose, c'est s'il n'y a pas précisément, et c'est là où ça me semble expliquer beaucoup de choses de chez Lacan, cette espèce de désir secret, qui généralement n'est pas dit, effectivement, de désir secret de cette jouissance autre. De cette jouissance autre, et qui en même temps, enfin, lorsque j'ai vu une femme jouir, et lorsqu'elle a bien voulu me faire quelques confidences, il y avait quand même cette idée, par rapport à la jouissance masculine, qui est quand même une jouissance très concentrée, je dirais, comme c'était une jouissance d'une certaine manière de tout le corps et de l'âme et de l'esprit en même temps. Et tout ça étant enchaîné les uns aux autres. C'est-à-dire que précisément c'était une jouissance sans fin et c'était une jouissance dans laquelle en même temps c'était, je dirais, le cosmos entier qui était plus ou moins entraîné. Et c'est là où il me semble que les femmes ont l'ouverture ou connaissent des choses qui seront définitivement... Parce que je pense qu'on a beau habiter sa position féminine tant qu'on peut, lorsqu'on jouit en tant qu'homme, je n'ai pas rien, la réalité biologique est ce qu'elle est, c'est un homme qui jouit, c'est tout. C'est-à-dire, est-ce que véritablement il est ouvert à cette présence, je dirais, immédiate du divin en lui, et à cette espèce d'illumination de tout son corps. Je n'en suis pas très sûr. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas ce qui advient à l'homme lors de ce qu'on appelle la petite mort? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'expérience de la sexualité une expérience du sacré qui pourrait ouvrir l'homme au divin au même titre que la jouissance autre pour la femme? Alors, ce qu'il faut se rappeler déjà, c'est que le sacré, on l'a complètement oublié. Ça vient d'une vieille racine européenne, sac, qui veut dire à part. Donc le sacré, c'est ce qui nous met à part, de la condition humaine moyenne, de cette manière. Bon, avec en même temps tous les dangers qui peuvent y être attachés. Parce que je rappelle que dans la Rome ancienne, vous aviez commis un abominable forfait. Bon, les prêtres ou les pontifes vous jugez et déclaraient « homo sacer esto ». Maintenant, tu es un homme sacré. L'homme sacré, on pouvait le rencontrer, on pouvait lui faire ce qu'on voulait, on pouvait le tuer comme on voulait. Donc, je dis, c'est pas toujours très très... nous sommes pas très loin de ce que Otto appelait, justement, dans le sacré, le mysterium tremendum. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours faire attention. Bien, donc c'est la mise à part. Et la sexualité, il faut se rappeler que la sexualité, sexus, le sexe, ça dérive de la même racine. C'est-à-dire ce qui est à part. Et en même temps, c'est la même racine, sac, qui, par métathèse, autrement dit, par intégration de l'être, a donné casse. Elle a donné casse, qui a donné la castration aussi. C'est-à-dire, comme d'une certaine manière, à travers la sexualité, d'une part, il y a quelque chose qui a à voir avec le processus de la castration, tout au moins par la sexualité masculine, me semble-t-il. Et justement, dans cette définition, s'il y a une coupure, c'est que ça nous met à part de ce qui était avant, qui a à voir quelque chose avec la chasteté. Alors, la chasteté, encore, faudra-t-il s'entendre sur ce mot, parce que c'est castus. C'est pas forcément ce que nous en avons fait, effectivement. Et donc, ça a quelque chose à voir avec la mort, en tant que la mort met à part de la vie. Ça, j'espère qu'on me l'accordera. Et je pense que si dans la sexualité, on a parlé précisément, mais c'est un discours très masculin, il faut
faut s'en rendre compte, de la petite mort, parce que franchement, lorsque j'en ai parlé à la femme qui m'a accompagné toute ma vie, la mort, spécialement, c'était pas exactement de ça qu'elle parlait. On voit bien qu'elle était justement dans cette jouissance supplémentaire, au-delà, en plus. Non pas le Lacan. Mais la mort, c'est précisément la manière dont l'homme, de sa manière, a une espèce, je dirais, de présence de l'infini, donc c'est une mort à lui-même. C'est pour ça que c'est en même temps une petite mort, et une petite mort, ça veut dire que ce n'est pas la mort réelle. C'est bien que c'est une mort purement symbolique. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que la sexualité et le sacré me semblent avoir à faire profondément. Mais profondément dans la mesure où, justement, si on en fait une véritable épreuve, une véritable expérience, vécue au plus profond, on est mis à part du troupeau. Et lorsque je dis troupeau, ce n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'assumer soi-même par rapport à ce que l'on découvre dans ce « à part ». Dans ce qu'on découvre, dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Sans être un X dans la grande masse des humains. Mais alors cette connivence entre le sexe et le sacré me ramène toujours à la question de savoir pourquoi, dans certaines traditions, on a si longtemps prétendu qu'il fallait se débarrasser de la sexualité, ou tout au moins la pratiquer à minima, si l'on voulait mener une vie spirituelle authentique. Non, mais c'est là le problème où il y a toujours cette espèce de, souvent, de dichotomie, le spirituel et le sexuel n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et donc le spirituel d'un côté, je dirais le matériel de l'autre. Bon, est-ce que c'est quand même si répandu que ça? Parce que je rappelle quand même que même dans la Bible, le prophète Osée épouse une prostituée sacrée. Que lorsqu'il écrit son Gita Govinda, autrement dit les amours du dieu Krishna, c'est pas pour rien que le dieu Krishna quand même, il attire les femmes dans les bosquets le soir. Hein. Lorsqu'il écrit donc le Gita Govinda, Jayadeva, qui est brahman, épouse lui aussi une prostituée sacrée. Et vous citiez tout à l'heure John Donne, si je me rappelle bien, c'est John Donne, le poète métaphysique anglais, qui écrit « Et jamais je ne serai chaste si vous ne me violez. » Hein, en s'adressant à Dieu. Bon, nous ne sommes pas très loin des scénarios de la prostitution sacrée. D'ailleurs, il suffit de lire le livre de Esther Harding là-dessus pour voir, ça l'explique quand même très très, très, très largement. C'est-à-dire, il y a quand même eu beaucoup de courants, enfin, évidemment, le tantrisme, c'est le plus connu, ou l'alchimie érotique taoïste, dans lequel, effectivement, c'est au contraire à travers la sexualité que l'on va pouvoir découvrir quelque chose de l'ordre du divin. Et c'est là où, c'est la question que je me pose, de me dire, mais est-ce que ce n'est pas notre manière à nous de voir reliée à cette structure masculine qui a fini par prendre le dessus quasiment partout, de cette manière. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas emblématique, vraiment, de ce que j'appelle cette peur que les hommes ont du féminin en tant que tel? Alors, tout en disant que c'est un phénomène quand même extrêmement répandu. C'est un phénomène de nos cultures à nous, oui, bien sûr, mais en même temps, on le trouve dans beaucoup d'autres cultures. Dans beaucoup d'autres cultures, mais en même temps, je me rappelle, par exemple, les chants des femmes de Chalco au Mexique. Au Mexique, avant l'invasion espagnole, évidemment, dans laquelle on voit, ce sont des prostituées. Hein. Bon, des prostituées sur lesquelles il n'y a strictement aucun anathème qui est jeté dessus. Et comment elles voient, comment elles engagent à la joute amoureuse, il n'y a pas d'autre mot, l'empereur lui-même. Hein, en disant, aïe, 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 ma jupe, et alors on voit, il y a des jeux sur la jupe, sur est-ce que tu es capable de te redire, est-ce que tu es capable de rentrer en moi, enfin, bon, des choses sur lesquelles je passe, et dans lesquelles on voit que ça fait partie de la découverte religieuse, et pour se servir des mots exacts, d'une découverte mystique en tant que telle. Et autant que je me rappelle, dans le tantrisme précisément, bon, alors le tantrisme, ce n'est pas ce que nous allons faire en Occident. Je dis, dans le tantrisme, lorsqu'on revient vers les textes à nous, après les mois et les mois de vénération, de puja, de brûlure d'encens, de etc., etc., lorsque l'impétrant s'initie à la représentante de la déesse,
on voit très bien comment c'est un acte religieux en tant que tel. Là, évidemment, nous avons perdu l'idée qu'un acte sexuel peut être un acte religieux. Mais en même temps, c'est là où on est quand même clairement du côté quand même de la, je dirais, de la déesse, vraiment du côté de l'apparition du visage féminin de Dieu. Parce que dans le tantrisme, c'est quand même l'adoration de la Shakti en tant que telle. Et on voit bien que dans certaines anciennes sociétés, tout au moins telles qu'on peut les deviner à travers les témoignages que nous en avons, que ce soit à Sumer avec le culte de la déesse Inanna, que ce soit chez les anciens Celtes, tels qu'ils ont négocié avec les populations néolithiques de base, il y a quand même cette idée que précisément, on accède à un certain statut que par le commerce avec l'élément féminin en tant que tel. Autrement dit, soyons clairs, il n'y a jamais eu de matriarcat. Ça, c'est vraiment un fantasme d'homme, le matriarcat. Bon, et on s'aperçoit que ce sont toujours les hommes qui ont exercé le pouvoir. Simplement, dans une société qui est marquée par les valeurs féminines, le pouvoir n'a pas la place qu'il a chez nous. Et c'est là où je dis qu'on voit bien que nous sommes dans une civilisation quand même ultra-masculine, d'une certaine manière. Parce que, d'une certaine manière, lorsqu'on voit les textes, c'est « ça vous amuse le pouvoir, ben, amusez-vous avec ». Bon, c'est pas très important. Et si on voit, par exemple, le haut-roi de Tara, ça, au moins, les Irlandais, on sait, je les ai assez étudiés, on voit très bien que le haut-roi, bon, il est roi, d'accord, il a le pouvoir, mais en même temps, il a le pouvoir de ne rien faire. Parce qu'il y a une bataille, il ne doit pas s'en mêler. Et c'est-à-dire que tout ce qui marque normalement, nous, le pouvoir, ça lui est quasiment interdit. Autrement dit, il a le pouvoir, si l'on peut dire, de régler les accords entre les hommes et les interactions entre les hommes. Mais il n'a de pouvoir que parce qu'il appuyait présent sur la puissance de la déesse. Et c'est là où je pense quand même que... Mais en même temps, c'est là où... c'est la question que je me pose et je me dis, on est obligé de faire vraiment beaucoup d'histoire et éventuellement de préhistoire dans la mesure où nous avons accès à elle. C'est-à-dire de ne pas être non plus victime de ce qui nous semble aller de soi, parce que je dirais nous sommes sur 4000 ans, au moins, de civilisation masculine, donc c'est évident. Ben oui, mais est-ce que c'est si évident que ça, après tout? Est-ce que ce n'est pas que notre manière de parler à nous? Là aussi, c'est une question que j'ouvre. Nascemos do nosso entristecer.